bande de crevards, va. Pourquoi c'est toujours à moi de faire le sale boulot, là? Dites-leur, vous, là. Pourquoi c'est moi? Moi, j'ai rien à voir dans tout ça, moi. Putain! Je cherche toujours des arabes, des gens qui sont cons, là, pour faire le sale boulot, là. Putain, moi, j'ai rien fait à la base, moi. C'est vous qui avez pécho, moi. Putain, moi, je viens d'arriver du bled. Je viens d'arriver dans l'enterrement, tout ça. Vous me faites, moi, le sale boulot. Hesh, mon hesh. Ah, vous êtes là. Ça va ou quoi? c'est pas ce que vous croyez, hein. Est-ce qu'on répète un sketch, c'est pour ça? C'est pour ça, oui. Un message au One Kill. Juste avant de commencer le message, j'aimerais juste vous... Parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que c'est important de savoir la signification des chaînes YouTube. C'est comme moi. Ça veut dire quoi, Kerry? Kerry, c'est un personnage de Street Fighter. Si vous ne croyez pas, tapez Kerry, vous voyez, c'est Street Fighter. One Kill. Vous savez ce que ça veut dire, One Kill? Ça veut dire un frag. Oui. One kill, c'est un frag. Oui, oh oui, oui. Bref, on s'écarte. En plus, vous m'avez même pas fait une feuille pour que je lise là. Vas-y, bref. Bon. J'espère que vous allez me payer. Bon, bref. Comment vous dire? Voilà, pour faire court, je savais pas ce qu'il y avait dans ma tête. Alors c'est vrai que j'ai été invité, vous m'avez invité gentiment, vous m'avez proposé avec Kenny, etc. Et quand j'ai su que vous avez 1 million d'abonnés, ça me l'a mise là. Ça me l'a mise là. Je pouvais plus avaler de boisson. C'est comme Dragon Ball Z, il peut pas y avoir beaucoup de Super Saiyan. S'il y en a beaucoup, le prince Vegeta, il va dire putain, je pensais qu'on était deux. Tu vois? Et ben, les 1 million, c'est pareil. Nous, on pensait qu'il y en aurait que juste 2, 3, 4, tu vois? Après, t'as les One Kill qui débarquent, et tu vois, ça nous le fout là, nous. Tu vois? En plus, ils remplissent une salle, tu vois, ça fait beaucoup, tu vois, pour moi, tu sais. Je vois qu'ils ont 1 million, et en plus, ils remplissent une salle, donc je les ai là, moi. Mais comme j'ai pu vous le dire, je savais pas ce que je faisais, j'étais encore jeune à cette époque. Mais aujourd'hui, je suis là pour présenter mes excuses, pour remettre justement le trophée au One Kill. Pour vraiment pas m'en vouloir, tu sais. Tu sais, comme on dit, on a tous le droit à une chance. On a tous le droit à une chance. Des fois, on sait pas ce qu'on fait. Des fois, on fait ça sur un coup de tête. Des fois, on fait ça sur un coup de colère. Des fois, on fait ça sur un coup de jalousie. Mais vraiment, c'était pas de mon intention. Je demande à toute la communauté de One Kill, les garçons et surtout les filles, de bien vouloir m'excuser. Non, parce que de bien vouloir m'excuser, parce que ils ont quand même été gentils avec moi. Tu vois, ils ont été gentils avec moi, j'ai monté sur scène, j'ai pu faire mon show. Et oui. Donc je vous demande pardon, ça se reproduira plus. Je m'adresse maintenant aux deux cowboys là. One Kill là, le Power Ranger rouge là et le Power Ranger jaune. Toutes mes sincères excuses. On discutera par Twitter sur message privé. Et je vous remettrai votre trophée. Vous me donnerez votre adresse. Et je vous l'enverrai par colissimo. Au main, ça me gêne pas. Ma main, ça me gêne pas, comme ça vous reprenez votre dû. Qu'est-ce qui m'a pris, moi aussi, de... Tu sais, il n'y a pas l'instant où dans ma tête, je me suis dit, tiens, c'est quand même mes camarades, leur fais pas ça, et quand ils t'ont quand même commandé un hôtel, ils t'ont quand même invité à leur show, ils t'ont quand même invité à manger, ils t'ont quand même invité à boire, etc. Et toi, tu leur fais des trucs pareils. Mais le problème, c'est intérieurement. Tu sais, des fois, les gens, ils sont malades à l'intérieur. Et quand les gens, ils sont malades à l'intérieur, on dit quoi? On dit Leicester. Il est malade. On peut rien faire pour lui, il est malade, il est handicapé. Ça se soigne pas, c'est encore pire, allez hop. Faut pas m'en vouloir. Mais aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, il est là du sens où je l'ai pris soin, je l'ai astiqué, je lui ai mis du Ajax sur le vide, comme ça fait pas de traces de doigts. J'ai fait mon maximum pour prendre soin de lui. Putain. Je sais pas ce qui m'a pris de passer aux aveux, sincèrement. Je sais pas ce qui m'a pris de passer aux aveux. Mais voilà, c'est quand j'ai vu la tronche de l'autre, là,
Limite en panique, limite s'il avait jamais vu un trophée de sa vie, tu sais, je lui dis jamais ce qu'il est, rends-lui, parce que. Rends-lui, il va nous faire une crise, ou je sais pas ce qu'il va faire, il va relancer le drama, lui, je sais pas ce qu'il va faire. Il s'est calmé il y a un temps, et là, il va reprendre, et ça va casser les couilles à tout le monde, et puis voilà. Bah, je vais quand même vous faire montrer. Je vais vous faire montrer comme à quoi ils ressemblent leur trophée, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient voir. Donc leur trophée ressemble à ça. Eh mais c'est pas marqué One Kill, dis donc! Eh c'est marqué The Kirik 78! Bref, eh c'est pas. Eh moi vous m'avez menti là! Eh! Attendez, je reviens, je reviens! Eh c'était pas ça le truc là! Putain, comment vous cassez les couilles vous aussi là? Oh, je dois faire un sale boulot, puis vous mentez là! Ça sera coupé au montage. Ouais, donc, messieurs, dames, oui. Alors, non, ça, non, j'ai vu la vidéo, sincèrement, de One Kill, etc. Et, enfin, après, je sais pas si c'est du prank ou la haja, tu vois, enfin, de leur côté, je sais pas si c'est un sketch ou une petite caméra cachée ou la haja, ou aussi un petit jeu, là, tu sais, nanana. Mais, voilà, j'espère sincèrement que vous allez retrouver votre votre PC, votre trophée, etc. Moi-même, ça m'aurait arrivé. Les One Kill, je pense que vous me connaissez maintenant. Moi j'en aurais fait 10 vidéos, ça c'est sûr et certain. Je retrouve mon PC, 2 jours après, je retrouve mon PC au commissariat. C'est le voisin qui l'a, j'aurais fait une série, ça meurt comme le ramadan, c'est un truc de malade. Non, ça, j'espère sincèrement que vous allez le retrouver. Et puis voilà, je sais ce que c'est d'avoir 1 million d'abonnés, c'est quelque chose de symbolique. Et après, pour votre démarche en ce qui concerne YouTube, j'espère sincèrement qu'ils pourront vous faire justement un autre trophée. Surtout que vous avez fait une vidéo, surtout que vous avez fait un truc, t'as les pétitions, etc. Donc j'espère sincèrement qu'ils vont pouvoir faire les démarches nécessaires pour que vous puissiez obtenir les 1 million d'abonnés. En ce qui concerne maintenant de la communauté, c'était surtout pour ça là. Alors comme ça, je suis un homme et c'est moi qui vole, hein? C'est quoi ces conneries là? C'est pas parce que j'ai. C'est pas parce que c'est qu'Alibaba les 40 voleurs que c'est moi? Hein? C'est pas parce que je suis marocain que c'est moi? Hein? C'est pas parce que je suis parti à Marrakech, c'est moi? Oh! Tout de suite, The Kerry? En plus, ça tape des zooms sur moi, sur la vidéo et tout ça, là? Hein? Faites, hein, vous avez de la chance que. Hein? Vous avez de la chance que. Mon cerveau, il est gentil ces derniers temps. Heureusement que mon cerveau, il est enchaîné, mon cœur, il est enchaîné, sinon, ça serait passionnant, en insulte. Non, sincèrement, j'espère sincèrement, enfin, vraiment tout ça pour en conclure, j'espère sincèrement que vous allez pouvoir retrouver votre trophée, j'espère que YouTube vont pouvoir faire le nécessaire pour vous. Et puis, c'est tout le mal que je vous souhaite de retrouver votre trophée ou de le réobtenir de la part de YouTube. Et puis, voilà. En tout cas, en revoyant la vidéo, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. J'ai pas pu vraiment vous remercier, vraiment en personne, les deux Power Rangers là, les One Kill. Vraiment merci à vous deux de m'avoir invité à votre show avec Kinix, etc. Ça nous a donné un peu une occasion justement de se montrer un peu, etc. De faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, etc. Donc on s'est un peu libéré, etc. Et puis voilà, mille merci à vous d'avoir pensé à nous, mille merci de nous avoir invités, mille merci à vous d'avoir pris soin de nous. Et puis voilà. Bah écoutez, c'est pas tous les jours où je fais une vidéo sur eux, que ça, je pense que c'est la première fois. Et puis je vous souhaite que du bonheur dans votre aventure YouTube. Ne lâchez rien. Apparemment, vous faites vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et continuez ainsi parce que des personnes comme vous, on en aura toujours besoin. Et puis voilà. Moi de mon côté, bah moi je vais vous laisser. Je vais aller rejoindre mes vieilles vidéos. Des montages qui durent en 2 minutes. Et puis voilà. Vivement qu'on se rencontre, d'autres vidéos ensemble, pourquoi pas, Inch'Allah. Et puis voilà. En ce qui concerne la communauté de One Kill, je vous en veux pas. Je sais que c'était du troll, etc. Et puis voilà. En tout cas, j'espère sincèrement que vous allez pouvoir retrouver votre trophée. Et puis voilà. Moi, en ce qui me concerne, je vais faire des gris-gris, je vais commencer à invoquer des marabouts pour que vous ne puissiez pas retrouver votre PC. Votre trophée. Donc voilà. Sans soleil créé, moi je vais sur cette fin. Yadban comme ça, prenez soin de vous. On se retrouve nous ce soir pour un live sur ma chaîne YouTube, sur YouTube. Oh là là, j'ai du mal à articuler. Sur Fortnite. Et puis, ouais, puis voilà, c'est tout. Sans soleil créé, je vais sur cette fin. Yadban comme ça, et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Attendez. Photo quand même.
Hassi. Voilà. On se retrouve très. Ciao, ciao.